Par d'ailleurs, on est dans une, un bar, une brasserie. Il y a Félix qui vous, euh, vous donne des, euh, des petites dégustations alcoolisées. Ça fait bizarre d'avoir autant de monde ici euh, qui n'ont pas de bière. Fait en fait, c'est des, euh, des des Mimo bois. Donc, euh, Limoilou Beach, notre sour au cassis avec du jus d'orange. Puis, si vous en voulez plus, ben les, les, les bières Taster. Félix va être derrière le bar. Euh, vous pouvez vous lever et aller vous chercher de la bière. Là, pour de la bière, ça ne me dérangera pas que vous me, me leviez et vous dérangez la présentation. Fait que, euh, merci, Jacques-Christophe, pour, euh, pour l'introduction. Euh, donc, euh, allô? Hein? Allô, c'était de circonstance. j'étais un fan de, de mauvais jeu de mots. Puis euh, en fait, euh, s'il si, y avait une personne pour qui je faisais cette blague-là, c'est pour ma belle sœur qui est ici. Elle rit tout le temps de mes, elle rit tout le temps de mes jokes plates comme ça. Fait que vous n'êtes pas obligé de rire, mais elle, au moins, elle rit puis elle est rouge. Fait que j'ai réussi, réussi à faire ce que je voulais ce matin. Euh, donc, euh, ça fait bizarre d'être ici. D'habitude, je suis plutôt assis là à regarder les, les Creative Morning. Je suis content de, de redonner un peu à la communauté Creative Morning en. En prenant le, le, le flambeau et en présentant une conférence euh, ce matin. Euh, je ne sais pas s'il y en a qui étaient là avec nous il y a deux mois pour la conférence de, de Picot-Larouche. Donc, c'était super, euh, super relax. Ils nous racontaient des histoires. On se faisait raconter des poèmes. Moi, c'était parfait. J'étais dans mon congé de paternité. Donc, je n'avais pas besoin de trop de réfléchir. Là, ce matin, on va un peu ailleurs. Ça va être plus pédagogique. Mon but ce matin, dans le fond, c'est de vous apprendre des choses sur un sujet qui ne vous intéresse sûrement pas. Ben, oui, ça nous intéresse la bière, mais de savoir comment on la brasse. Ben, Peut-être que vous en foutez un peu. fait que Je vais essayer de rendre ça intéressant. Puis, pour que vous soyez attentifs, bien, je vais vous en des petits cadeaux. Fait que, des t-shirts gratis, des trucs. Fait que, je vais peut-être vous poser des petites questions. Si vous participez, je vais pouvoir euh, tirer ça. Donc, c'est le temps, une bonne façon de garder le monde attentif euh, quand c'est un peu plus, un peu plus euh, pédagogique. Donc, euh, donc, voilà, on va commencer sans plus tarder avec une première question quiz. Euh, selon vous, ça prend combien de litres d'eau pour faire euh, un litre de bière? T'sais, on sait que pour le sirop, on dit 60 litres d'eau d'erreur pour faire... Euh, un litre de, de sirop d'érable. Pour vous, est-ce que vous êtes capable de, de me donner des chiffres? Oui. 950 millilitres. Millilitres ou litres? Euh, Pour un litre de bière. 10. 950 millilitres. Bon, c'est correct, on accepte euh, toutes les réponses, oui. 7. Sept. Deux. 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 Six. Six, c'est pas, pas mal exactement ça. Fait que, tiens, on va commencer avec un premier T-shirt. <laughs> <laughs> Je ne sais pas si elle avait déjà vu la présentation tantôt, mais c'est pas grave. C'est un T-shirt pareil. <laughs> Euh, donc, c'est ça. En moyenne, on a besoin de 6 litres d'eau pour produire 1 litre de bière. Il faut savoir que cette quantité d'eau-là, ben, ça ne va pas aller euh, tous dans le verre qu'on est en train de boire en ce moment, ou vous allez boire euh, ce soir. Ça va aussi nous servir au nettoyage, euh, à chauffer la bière, à chauffer nos équipements. On va y revenir un peu plus tard. Parce qu'évidemment, bon, ben, si on avait 6 litres d'eau dans chaque litre de bière, ça goûterait un peu plus l'eau pétillante ou la Coors Light. Euh, Je vous laisse un euh, <laughs> petit commentaire. Euh, petit commentaire euh, euh, en tout cas, bref. Euh, donc voilà, 6 euh, litres d'eau pour un litre de bière. Par contre, si on prend l'ensemble de la chaîne de production, donc euh, l'eau que les cultivateurs vont avoir besoin pour faire pousser l'orge, les houblons, euh, le blé, donc les céréales, euh, toute, toute, toute la chaîne de production de la bière, ben là c'est un peu plus intense. On parle plutôt de 300 litres d'eau pour un litre de bière. Donc là peut-être que vous allez dire, ah, méchants, les méchants producteurs de bière gaspillent beaucoup d'eau. On va juste mettre ça en perspective avec d'autres... Euh, D'autres boissons qu'on boit quotidiennement, je ne sais pas s'il y en a ici qui ont pris du café, du thé ce matin, de la bière, il y en a qui sont un peu plus courageux. Euh, sinon, un verre de lait, puis on va comparer ça aussi avec, euh, avec le vin. Euh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui serait dans, dans ces cinq choix-là, lequel qui est le plus grand consommateur d'eau, s'il y a quelqu'un qui veut se lancer. Le lait. Café, j'ai entendu café, on va y aller pour une tic avec le café. Tiens, on peut passer en arrière. C'est ça, dans le fond... Euh, donc, le café, 1056 litres d'eau pour un euh, litre de café, 1020 litres pour le lait, 872 litres pour le vin, euh, 300 litres pour la bière, je vous ai dit tantôt, et 108 litres pour le thé. Donc, bravo à nos amis de Camellia Sinensis qui nous euh Sauf la face, donc euh, qui, qui prennent le moins d'eau en fait pour, pour produire le thé. Euh, encore une fois, ça peut avoir l'air intense, j'aurais pu vous sortir euh, tout plein de stats, mais on va rester plus sur, euh, sur la bière. Mais tu sais, pour une barre de chocolat de 100 grammes, euh, je me souviens plus, mais je pense que c'était comme quelque chose comme 1700 litres d'eau, euh, des, des, des avocats, des trucs. Donc on a besoin de beaucoup d'eau pour produire ce qu'on qu mange et ce qu'on consomme à tous les jours. Fait qu'avec 300 litres d'eau pour la bière, on n'est pas, pas si mal. Donc euh, on revient à nos 6 litres d'eau. Euh, comme je disais tantôt, bon, ces litres d'eau-là se retrouvent pas toutes dans, dans, dans notre verre, dans la bière qu'on boit. Euh, ils sont séparés comment en fait, ces 6 litres d'eau-là, quand on fait de la bière. Il y a 45 de cette eau-là qui est utilisée pour faire du nettoyage. Donc, nettoyer les cuves, nettoyer les tuyaux, nettoyer les bouteilles, nettoyer les canettes, nettoyer les quais qu'on en fait. Un brasseur, là, là aujourd'hui, je suis comme ça, mais normalement, je suis avec mes bottes de caoutchouc, j'ai les mains et tout gercées. Je travaille dans l'eau à longueur de journée avec un boyau d'arrosage. C'est vraiment... On est, on est dans l'eau toute la journée, mais surtout pour nettoyer euh, nos équipements. Il y a 25 de ces 6 litres d'eau là qui sont aussi... Euh, en fait, ça c'est une étude qui a été faite par le Canadian Beer Association, si je ne me trompe pas. En tout cas, euh, 25 litres d'eau qui disent pour les pertes. Donc, évidemment, bon, des fois, on va avoir un tuyau brisé, une mauvaise manipulation, euh, des brasseurs qui font des d'eau sur leur dîner. Euh, donc, 25, 25 qui est pour les pertes, 20 qui c'est pour la matière première. Donc, évidemment, bon, il y a de l'eau dans la bière. Euh, on peut dire qu'il y a environ entre 90 et 98 de la bière qui est composée d'eau. Donc, dépendamment de nos, nos brassins, puis on va revenir un peu tantôt de comment on fa fa fabrique la bière, mais on va avoir à peu près 2 à 3 litres d'eau par kilo de céréales qu'on va utiliser dans la bière. Donc, il y a un 20 d'eau qui, évidemment, se retrouve dans la bière qu'on consomme, un peu comme le café, un peu comme le thé. On a besoin d'eau pour pouvoir euh, boire de la bière. Et finalement, bien, il y a un 10 qui est pour... Euh, tout ce qu'on appelle transfert thermique, là, donc je ne rentrais pas trop là-dedans, mais en fait, c'est pour euh, avoir la vapeur pour chauffer nos équipements, pour refroidir la bière. Donc ici, on voit une magnifique euh, chambre des machines avec une belle vapeur dans une, une. belle chaudière à vapeur dans une microbrasserie. Vous, ça ne vous intéresse pas, mais moi, je trouve ça cool. Fait que. Euh, fait que voilà, 10 pour les transferts thermiques, donc chauffer tout ce qu'on a besoin pendant la journée. Avant de, de, de plonger plus loin, plonger, hein, je reçois le, le lien avec l'eau. Euh, plonger plus loin dans la thématique de l'eau. Merci, Gabriel, de rire de ma blague. Euh, <laughs> On va prendre une petite pause en fait juste pour regarder ensemble c'est quoi les ingrédients qui composent la bière. Je ne sais pas ici s'il y en a qui sont des, des brasseurs amateurs ou, euh, ou des chimistes qui connaissent super bien cette, cette thématique-là, mais pour qu'on soit tous sur le même pied d'égalité, on va juste regarder un peu justement qu'est-ce que, à part l'eau, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dans une bière. Euh, premièrement, bon, ben, évidemment, on retrouve des céréales, pas des Cheerios ni des Fruit Loops, euh, quoi qu'il y a certaines brasseries qui utilisent ça pour faire des bières un peu plus funky. Mais en gros, les céréales qu'on utilise, la principale, ça va être de l'orge, de l'orge qu'on va avoir malté. Donc, en gros, c'est un orge qu'on va faire germer, puis qu'on va sécher, puis qu'on va faire cuire un petit peu. Donc, c'est pour ça que quand on dit de la bière, on dit qu'on qu brasse ça avec du malt. En fait, le malt, c'est souvent, on fait référence à de l'orge maltée, Mais on pourrait aussi malter du blé, de l'avoine, on peut utiliser du riz, du seigle. Donc, on peut en fait utiliser n'importe quel céréale là, pour, faire, pour faire de la bière. Mais en majorité, on va prendre justement de, de, de l'orge maltée. Euh, les céréales, bon, ben ça amène beaucoup de goût à la bière. Là. Il y avait, dépendamment du type de bière qu'on va boire, ben, on va avoir un plus un profil céréal, être plus un profil houblonné, un profil plus fruité. Mais euh, en plus du, du goût, ça va aussi jouer sur la couleur. Donc euh, des stouts, des porters qui sont noirs, ben, on va prendre des grains qui sont torréfiés. J'en ai pas avec moi ce matin, mais si vous avez la chance de goûter, c'est vraiment comme si on, on croquait dans un grain de café. Donc c'est super, euh, super intéressant au niveau du goût, mais ça amène aussi de la couleur. Mais la, la, la partie la plus importante en fait de la, de la céréale dans la bière, c'est que ça va donner du sucre. Euh, qui va être vraiment essentiel là, pour la création d'alcool. Donc, euh, l'objectif quand on fait de la bière, c'est d'aller extraire le sucre des céréales dans notre eau. Puis, par la suite, bien, cette eau-là va pouvoir être sucrée, va pouvoir être transformée euh, en alcool. Deuxième ingrédient un peu plus, un peu plus sexy là, pour les amateurs de, de, de bières houblonnées, donc le houblon. Euh, et on n'est pas obligé d'avoir du houblon dans de la bière. Il y a certaines bières de type gruite qui sont faites sans houblon. Mais sinon, la majorité des bières, en fait, presque la totalité, vont avoir du houblon. Euh, pour ses, ses, ses caractéristiques en fait euh, euh, anti, euh, ça va empêcher les bactéries de se développer dans la bière. Euh, mais le côté qui nous intéresse plus, évidemment, du houblon dans la bière, ben, c'est deux choses. C'est l'amertume. Donc si vous êtes des fans de, de grosses West Coast pieds, des grosses bières euh, qui vont euh, venir nous coller dans la bouche, c'est vraiment l'amertume du houblon. Mais ça amène aussi un côté aromatique. Donc le houblon, là, c'est un peu comme le cépage pour le vin. Euh, y a, chaque cultivar de houblon va avoir. Euh, une, am une amertume qui va être différente, mais des arômes qui va être différents. Donc, on peut avoir des houblons qui sont plus floraux, plus terreux, plus euh, sur les, le côté citronné, fruits tropicaux. Donc, il y a vraiment une multitude de sortes de houblons. En fait, le houblon, c'est une plante. Ce qu'on voit ici, c'est la cocotte du houblon. C'est ça qu'on utilise là, pour, euh, pour faire la bière. Troisième ingrédient, euh, la levure. Donc, ici, on voit des belles petites saccharomyces séravissées. Donc, euh, en fait, chaque levure, c'est quoi une levure? En fait, c'est un être vivant. C'est comme vous, moi, euh, tout le monde qui est ici, Lucile. Euh, donc, euh, c'est des êtres vivants, sauf que c'est des êtres unicellulaires. Donc, là, ici, là, tout ce qu'on voit, c'est des belles petites euh, saccharomyces avec leurs beaux petits bébés qui sont en train de pousser. Donc, ça, c'est aussi cute pour moi que des, des belles petites photos de bébés-chats. Donc, euh, c'est ça. Fait que dans le fond, la levure, c'est vraiment des êtres euh, vivants. Puis, pourquoi est-ce qu'on en a besoin dans la bière? Ben, en fait, c'est eux qui font la bière. Tu sais, mon, mon, ma job à moi, la job à mon collègue JS ici, brasseur, c'est de, de créer un mou, de créer un environnement qui va être propice pour que la levure puisse faire sa magie, c'est-à-dire consommer le sucre qui vient de nos céréales, puis euh, le transformer en alcool. Fait en fait, la levure a besoin du sucre pour survivre, elle utilise ça pour se reproduire, pour, euh, pour rester en vie, justement. Puis ben, c'est dire, mais c'est les excréments, dans le fond. Une fois qu'elle a tout consommé, ce sucre-là, ben, ça devient de l'alcool. Fait que nous, on boit le. On boit du pipi de levure. Euh, donc, voilà pour la levure. Et finalement, évidemment, ça nous prend de l'eau. Je vais justement en prendre une petite gorgée. C'est la raison pour laquelle on est ici ce matin. Euh, donc, comme je l'ai dit tantôt, oui, ça nous prend 6 litres d'eau pour faire un litre de bière, mais il y a euh, justement une bonne partie de, de ces 6 litres d'eau-là qui vont nous servir à fabriquer la bière. En gros, il y a deux impacts principaux que l'eau a sur la bière. Le premier, c'est que l'eau, si elle est mal utilisée, si elle est mal traitée, bien, elle va pouvoir amener des défauts à la bière, des défauts de goût, euh, s'il reste des contaminants dans notre eau ou euh, si, par exemple, elle est trop chlorée. Donc, ça va être important de bien la traiter. On va y revenir plus tard. Puis, euh, l'eau, ça va aussi influencer le pH de la bière. Puis, ça va influencer euh, son goût selon, en fait, les minéraux qui vont composer l'eau qu'on va utiliser pour brasser. Je vais vous expliquer euh, tout ça euh, plus en détail. Donc, euh, l'eau qu'on utilise, qu'on soit... Euh, Ici, à Limoilou, qu'on soit à Stonham, qu'on soit n'importe où dans le monde, bien, ça va avoir vraiment une influence sur le goût de la bière qu'on va produire. On va voir que maintenant, on est capable de jouer avec cette eau-là. Donc, il y a peut-être moins de différence qu'il y avait à, à l'époque, mais l'eau est vraiment, vraiment importante là, sur, sur le goût de la bière. Ce n'est pas juste les céréales, ce pas juste la levure, puis c'est pas juste les houblons. Donc, là, on sait qu'est-ce qui va dans notre bière. Je vais juste prendre encore une fois. En deux, trois minutes pour vous expliquer comment on fabrique la bière. C'est peut-être un peu petit, mais je vais, je vais, je vais, je vais vous l'expliquer rapidement. Donc, si on voit un schéma du processus de fabrication de la bière. Donc, rapidement, en fait, les grains sont passés dans un moulin. Ces grains-là s'en vont dans, ici dans la cuve d'empantage, qu'on appelle. Donc, c'est là qu'on va faire un genre de gros gruau. Donc, on va mélanger nos grains avec notre eau pour aller chercher vraiment tout le sucre disponible dans les grains. Ensuite, bien, on va juste soutirer le mou. Donc, ce que je vous dis tantôt, le mou qui est sucré. Donc, c'est comme si on buvait une grosse tasse de... De lait qui a trempé dans les Frosted Flakes pendant trois pendant heures. C'est vraiment bon, en fait, c'est super, super sucré. On va retirer ce mou-là, on va l'amener dans la cuve d'ébullition. Donc là, on va faire bouillir notre mou pendant une heure. Ça va nous permettre de le pasteuriser. C'est aussi à ce moment-là qu'on va rajouter nos houblons qui vont aller donner toute l'amertume à la bière. Euh, donc c'est ça, on va faire bouillir pendant une heure. Puis après, bien, on va refroidir cette bière-là avec un échangeur thermique. Donc on utilise de l'eau aussi, comme je vous disais tantôt. On va l'amener dans un fermenteur. À ce moment-là, c'est là, là qu'on rentre notre troisième ingrédient, la levure. Donc, la bière va rester avec sa levure dans un fermenteur pendant environ une semaine ou deux. La levure va manger tout le sucre. Une fois qu'elle a tout mangé, ce qu'elle qu avait disponible, qu'elle a créé son alcool, on est content. Euh, on peut récolter cette levure-là pour en faire une autre bière après. Finalement, bien, on va amener cette bière-là dans une cuve de garde. C'est là qu'on va ajouter notre carbonatation. Donc, soit on va rajouter du sucre avec encore de la levure pour refaire une carbonatation naturelle, soit on va tout simplement pousser du CO2 là, de façon artificielle, si on veut, pour venir gazer la bière qui va finalement se retrouver dans nos canettes, dans nos bouteilles, dans nos kegs pour finalement avoir dans nos verres euh, aujourd'hui pour notre bon plaisir. Donc, euh, si vous avez d'autres questions par la suite là, sur le processus de fabrication de la bière, oui, vas-y. La saveur, la saveur, elle rentre ici puis là. Non, en fait, ce qui va avoir un impact sur, euh, sur le goût de la bière, comme je disais tantôt, dans un premier temps, c'est les céréales. Donc, ici, à l'emportage. On mélange euh, l'eau avec nos céréales. Dépendamment du type de céréales, de la quantité de céréales qu'on va avoir, ça va avoir un impact sur le goût de notre bière. Ensuite, euh, pendant l'ébullition, dépendamment des types de houblons qu'on va mettre, c'est là qui va amener l'amertume. Si on met les houblons au début de l'ébullition, tout en fait les profils, le côté aromatique du houblon on va s'en aller. Donc on va juste vraiment garder son amertume. Si on le met plus vers la fin de l'ébullition, là, il va garder euh, certains arômes. Puis ben là, je ne l'avais pas dit parce que ce pas de ça qu'on parlait. Mais pendant la fermentation, on va aussi faire ce qu'on appelle du dry upping, donc houblonnage euh, à froid. Donc, on va venir rajouter des houblons dans le fermenteur. On monte dans, dans une échelle, on ouvre notre fermenteur, on, on tire nos houblons. Puis là, à ce moment-là, ben, étant donné qu'il n'y a aucune, aucune, aucun chauffage, dans le fond, là, on va garder vraiment tout le côté aromatique du houblon, donc dépendamment du houblon qu'on va mettre. Puis la levure aussi va développer un profil de saveur particulier selon qu'on a une levure belge, anglaise, américaine. Très bonne question. Donc, ça fait le tour un peu en général de comment on fabrique une bière, mais maintenant l'eau rentre où dans ce, dans ce processus-là? En fait, avant même de mélanger notre eau avec nos, avec nos céréales, comme je disais tantôt, c'est important de bien la traiter. Donc, euh, ici, on voit là, justement l'étape de filtration de l'eau. Qu'on soit comme ici, branché sur le réseau d'aqueduc de la ville ou à Stoneham, nous, on a notre propre puits artésien. Euh, pas mal toutes les brasseries vont justement traiter leur eau pour s'assurer d'avoir une eau qui va être, disons, un peu plus neutre, avec laquelle on va pouvoir euh, travailler, après on va pouvoir saisonner par la suite. Euh, donc en fait, la, la, le traitement d'eau qu'on fait, c'est en général, ça peut être plus compliqué que ça, mais il y a deux étapes. On va faire une filtration avec, un, avec du charbon. Donc ça va nous permettre d'enlever... Euh, toutes les particules qui pourraient rester, retirer de chlore aussi, que je vous disais tantôt, qui peut avoir un, un impact sur le goût de la bière. Puis par la suite, on va venir stériliser cette eau-là avec une lampe UV. Donc l'eau passe vraiment à travers les rayons d'une lampe, genre de lampe mauve. J'imagine que vous avez déjà vu ça. ça les, les, les rayons UV, en fait, ça vient vraiment tuer toutes les bactéries là, qui peuvent rester dans l'eau. Donc on est sûr qu'il n'y a plus de contaminants dans l'eau qu'on utilise. Après, bien, ça, c'est comme le traitement de base. Bien, il y a des brasseries qui peuvent aller plus loin. Tu sais, Molson Coors. Euh, Molson, en fait, a, à Montréal, il y a une usine de traitement d'eau. Eux autres, ils puisent l'eau directement du fleuve. Là. Vous pouvez savoir à quel point ça peut être dégueu. Donc, euh, puis, puis ils traitent cette eau-là comme, comme une ville pouvait la, pouvait la traiter. Là, ils pourraient, je ne me souviens plus quelle grosseur de ville, mais ils pourraient comme fournir une, une petite ville de quelques milliers d'habitants avec leur usine de traitement d'eau qu'ils ont eux là-bas. Fait que fait qu évidemment, le traitement d'eau peut aller de plus à moins, à moins poussé. Mais c'est vraiment euh, ici qu'on s'assure d'avoir une eau qui va être de bonne qualité pour brasser notre bière. Ensuite, euh, la deuxième étape à laquelle l'eau est, est vraiment importante, en fait, c'est qu'on va venir justement ici ajouter nos minéraux dans notre eau. Donc, ça se passe, euh, comme je disais tantôt, juste avant, ou en même temps, qu'on va mélanger notre eau avec nos céréales. Donc, cette étape-là, cette étape étape ça s'appelle l'empattage. Euh, donc là, c'est à ce moment-là qu'on va venir justement assaisonner notre eau pour, comme je disais tantôt, contrôler son pH, puis changer un peu le profil de goût qu'on veut donner euh, à notre bière. Donc, euh, pour l'assaisonnement de l'eau, la première étape, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a dans notre eau. Donc, euh, on va avoir euh, soit nous, on va faire faire une expertise par une compagnie ou la ville va nous fournir vraiment un profil d'eau, puis à partir de ces informations-là, on va savoir comment est-ce qu'il faut qu'on qu la traite. Mais en gros, les deux, euh, les deux éléments principaux qui constituent, qu'on qu retrouve dans l'eau, en fait, puis qui sont importants pour la bière, c'est calcium-magnésium. Donc, euh, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de leur tableau périodique, mais on a les deux. Euh, deux éléments, euh, calcium, magnésium. Puis, euh, c'est vraiment ça, les deux éléments qu'on retrouve dans la bière qui sont le plus important pour le goût de la bière. Euh, le calcium, en fait, ça va avoir un gros impact sur la clarté de la bière. Donc, si on manque de calcium, notre bière, bien, écoute, que des fois, maintenant, avec les Easy IPA, Northeast IPA, on va avoir des bières qui sont super euh, troubles, puis c'est ça que les gens recherchent. Mais si on va avoir une belle bière claire, là, à la, la Coarse Light, comme on disait tantôt, euh, ça prend une bonne quantité de calcium, sinon, on ne sera pas capable d'avoir une belle clarté. Ça va aussi avoir, le calcium, un impact sur la saveur de la bière, puis sur la stabilité, en fait, sur les tablettes, donc sur la durée de vie de la bière. Si on n'a pas assez de calcium dans notre eau, si on fait de la bière avec une eau complètement distillée, qui n'a plus aucun minéraux, ben, elle n'aura pas une belle, une belle durée de vie, elle va, elle va rapidement euh, devenir euh, passée date, si on veut. Le magnésium, quant à lui, ben, ça sert plus pour nos levures, en fait. Les levures, comme je l'ai dit tantôt, c'est des êtres vivants. Fait que, euh, on a besoin, en fait, de, de, ils ont besoin de certains nutriments, du magnésium, du zinc. Donc, le magnésium, on en a besoin dans notre eau. Donc, la première étape d'assaisonnement de notre eau, euh, c'est vraiment de savoir, justement, est-ce que j'ai assez de calcium, est-ce que j'ai assez de magnésium. Si j'en ai pas assez, ben, je peux venir en rajouter dans mon eau avant de commencer à brasser. Deuxième étape, euh, pour assaisonner l'eau, en fait, on va venir ajuster notre pH. Donc, je ne sais pas si ici, il y en a qui ont, qui ont des piscines et pis qui adorent faire leur traitement d'eau euh, au pH, prendre leur petite goutte. Ça ressemble un peu à ça, sauf qu'on a. Un pH mètre qui est un peu différent de nos petites gouttelettes et nos petites bandelettes. Donc, on n'a pas besoin d'aller se tremper les mains dans notre cuve d'eau. Euh, en gros, le pH est super important parce que le pH de l'eau, le pH de la bière, ça va vraiment venir affecter notre perception de saveur qu'on va avoir dans notre bouche. Ben, autant pour la bière que pour tous les, bo les boissons. S'il y avait quelqu'un ici qui était un pro du café, euh, peut-être qu'il nous dirait qu'il faut contrôler, j'imagine, le pH de notre eau avant de faire un café. Je ne sais pas s'il y en a qui font ça le matin avant de faire votre Chemex. Mais peut-être que vous devriez, ça aurait un meilleur goût. Mais, mais en tout cas, pour la bière, clairement, que ça affecte le goût. Donc, un pH trop élevé, bien, ça va rendre la bière fade. Un pH trop bas, un peu dans la même ordre d'idée, ça va comme tout venir atténuer les saveurs. La bière va vraiment perdre de sa complexité. Euh, le pH qu'on cherche, là, environ, pour une bière, là, quand on est en train de la brasser, on est entre 5,2 5,8, c'est notre pH idéal, dans lequel aussi nos levures vont, vont avoir du plaisir. Là, si c'est trop acide, bien, les levures vont mourir, puis on n'aura pas, pas de bien. Donc, euh, à l'empantage, on va venir soit ajouter de l'acide, si notre pH est trop haut, ou sinon, on va pouvoir ajouter de la craie, euh, en fait, du, du, euh, du carbonate de calcium, pour euh, éviter que le pH descende trop. Qu'est-ce qui va faire qu'on va décider d'ajouter plus ou moins d'acide ou, ou de craie? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui, ça fait longtemps que je n'ai pas donné un T-shirt, qui aurait fait une idée de quest ce qui ferait qu'on... Qu'on ajouterait de l'acide ou qu'est-ce qui pourrait changer le pH là, de, de, de notre eau et euh, de notre mou à l'empantage? Est-ce que quelqu'un a une idée? Selon les minéraux, ça l'ajoute. Mais pourquoi est-ce qu'on ajouterait un ou l'autre? Causer, Causer levure. Bon, essai. Vu que tu as essayé, je vais te donner <laughs> une calotte. Tu viendras la chercher tantôt. même. Euh, hein, vous voyez, il faut participer. C'est payant. En fait, c'est les, les grains qu'on va utiliser. Euh, selon le type de grain qu'on va utiliser, selon évidemment le profil d'eau qu'on avait à la base, bien, ça va avoir un impact sur notre pH. Donc, par exemple, si on fait un stout, là, une bière noire ou un porter, donc, les grains torréfiés, euh, ils ont comme effet, en fait, de. de... Je ne vais pas me mélanger, là, je, me, je me fais tout le temps les deux, mais les grains torréfiés, ça sont, sont, sont plus acides, donc ils vont faire baisser notre pH. Parfait. Euh, donc, c'est pour ça qu'on va ajouter de la craie quand on va faire une bière, euh, un stout, pour être sûr que le pH, justement, ne soit, soit pas trop bas. Bon. Prochain assaisonnement, une fois que notre pH est contrôlé, ben, en fait on va, euh, on va vouloir assaisonner notre eau pour faire ressortir euh, le, 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 selon le type de profil de, de bière qu'on fait. en fait. Euh, Donc, ça ressemble un peu à la fin d'une recette on va ajouter du sel, du poivre au goût pour venir finaliser notre assaisonnement. En ben, brassage, c'est la même chose, sauf qu'on va ajouter du sulfate de calcium ou du chlorure de calcium, euh, selon le type de bière qu'on veut faire. Donc, par exemple, si on brasse une IPA, une bière qui est houblonnée, on va venir plutôt ajouter du sulfate de calcium. Le sulfate de calcium va rendre la bière plus sèche, plus mordante. Ça va faire beaucoup ressortir l'amertume euh, du houblon. Au contraire, si on fait une bière qui est plus maltée, comme je disais tantôt, qui est plus sucrée, plus sur le côté euh, céréalier, on va ajouter du chlorure de calcium parce que ça, justement, ça va ajouter une rondeur à la bière. Ça va ajouter un goût qui va être un peu plus sucré. Donc, il va venir bien, euh, bien balancer, justement, bien fitter avec, euh, avec, avec ces bières-là qui, euh, qui sont plus maltées. Euh, une autre petite question-quiz. La, la bière qui est la plus en vogue en ce moment, c'est la Northeast IPA, comme je disais tantôt. Ici, on a la version que Boreal a brassée. Y a-t-il quelqu'un qui, qui serait game de me dire si pour faire une, une Northeast IPA, est-ce qu'il ajouterait du sulfate de calcium ou du chlorure de calcium? Sulfate, Sulfate, Chlorure. c'est chlorure. toi qui gagne, hein, t-shirt? <laughs> <laughs> En fait, oui, c'est une IPA, donc on pourrait croire qu'on va ajouter du sulfate de calcium. Mais l'IPA la, 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 la du Nord-Est, la particularité pour, pour les Beer Geeks ici, c'est que dans le fond, euh, c'est une IPI qu'on veut avoir aucune amertume. On veut avoir juste, juste, juste le côté aromatique des houblons. Donc, une autre une, une IPA, c'est vraiment comme un gros jus de fruits tropical alcoolisé. Euh, donc, justement, étant donné qu'on rajoute beaucoup de houblon dans ces bières-là, mais qu'on ne veut pas avoir d'amertume, ben on va plutôt venir balancer tout ça en ajoutant du chlorure de calcium qui va venir donner justement, comme je disais tantôt, le côté rond, le côté sucré, donc qui va empêcher qu'on ait la sensation d'amertume euh, en bouche. Donc, euh, tu vous voyez, aujourd'hui, c'est facile là, de le D'assaisonner notre eau, puis de travailler le trou de la manière qu'on qu le veut, qu'on le souhaite, selon le type de bière qu'on veut faire. Mais évidemment, ça n'a pas toujours été le cas. Donc, euh, dans le temps, il y a, il y a des centaines d'années, les brasseurs faisaient avec, avec l'eau qu'il y avait, puis ils essayaient de faire la meilleure bière possible. Puis, il ben, y a certaines villes qui réussissaient à le faire mieux que d'autres. Ça a donné lieu à des, ça a donné... en fait crée des styles de bière mythiques, historiques, qui sont encore euh, consommés partout à travers le monde aujourd'hui. Le premier exemple ici, c'est Pilsen, donc euh, euh, en République tchèque. Les brasseurs là-bas, ils avaient accès à une eau qui était... Super douce, aucun minéraux, vraiment dans le fond qui était le plus clair, le plus limpide possible. Puis, ils essayaient de brasser des bières noires, des stouts, des porters, puis ça fonctionnait pas, ça donnait des bières qui étaient un peu insipides. Donc, ils se sont mis à brasser un style de bière bien particulier qu'on boit encore partout à travers le monde aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a qui savent un peu. Pilsner, je ne sais pas qui l'a dit en premier, mais il va gagner un truc. Euh, fait la, Pils, en fait, la Pilsner, c'est le style de bière qu'on boit partout à travers le monde maintenant. C'est une bière qui est super, euh, super rafraîchissante, euh, qui a un goût qui est très délicat. Donc, euh, les houblons, ça aise, qui amène le petit côté floral, mais c'est très, très en légèreté. C'est une belle bière de soif. Ça vient de Pilsner. Dans le fond, eux autres, c'est la meilleure bière qu'ils pouvaient faire avec le Euro. Donc, euh, donc euh, cette bière-là était maintenant reconnue partout à travers le monde. Au contraire, à Burton on Trend, en Angleterre, où il y avait une, une eau qui était super minérale, pleine de sulfate. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait Sur le fait, tantôt on disait amertume, Mertune, ils se sont mis à brasser des IPA. Donc, c'est eux qui ont créé le style de IPA. Ça, Burton-on-Trent, c'est une petite ville qui avait, à un moment donné, 1000 habitants, puis il y avait 12 brasseries là-bas. C'est vraiment comme la, la meilleure bière qui se faisait à cette époque-là venait de Burton-on-Trent. Donc, maintenant, bien, évidemment, l'IPA, c'est encore bu euh, partout à travers le monde. Euh, dernier exemple, on ne peut pas parler de style historique sans parler euh, euh, de l'Allemagne. Donc, ici, on a une photo de la ville de Goslar. Euh, Goslar, à proximité de cette ville-là, il y a la rivière Gauze qui, euh, qui, qui, qui coule. Pour les amateurs de bière ici, la gauze, c'est aussi un, un style de bière. En fait, c'est une bière qui est acidulée, mais qui a un côté particulier. Donc, c'est euh, particulier, en fait, c'est une bière qui est salée aussi. Euh, puis la légende dit, en fait, que, que les brasseurs utilisaient l'eau de la rivière, puis que la rivière, justement, avait un petit côté salé. Puis c'est pour ça que, que cette bière-là, ce profil-là. Puis maintenant, ben, quand on brasse une Gose, ben, nous, on, on rajoute du sel dans notre eau là, pour s'assurer que ça, ça goûte comme ça goûtait dans le temps. Euh, fait, ça. Comme je vous dis, c'est facile maintenant d'assaisonner notre bière. On peut faire les profils qu'on veut. Mais euh, les brasseurs, on aime ça être créatif. On aime ça utiliser, faire mettre à valeur notre terroir. Donc, on utilise parfois encore certaines eaux qui sont spécifiques à une région pour créer une bière un peu plus particulière. J'ai sorti quelques exemples. Ici, c'est une naufrageur à Carleton qui a brassé justement une gauze en allant récolter de l'eau de mer euh, gaspésienne sur un bateau de pêcheurs de Homard. Donc, ils sont allés au large, ils ont pris de l'eau de mer, ils sont revenus à la brasserie. Ils ont traité cette eau-là, puis finalement, bien, il y a 18 d'eau qui est utilisée dans la Gauze, qui est une eau, euh, une eau de mer. Donc, on ne peut pas reproduire cette bière-là. Il y a euh, le moulin 7 à asbestos qui ont fait une bière en utilisant l'eau d'une ancienne mine d'amiante. Donc, ça donne une bière qui est un peu minérale. Faites vous en pas, c'est une, une, une source souterraine. C'est une eau qui est bonne à boire. Là. Ils ne vont pas tuer personne avec ça. Ici, à La Souche, pour euh, parler un peu de nous, on fait une euh, bière qui est 100% eau d'érable. Donc, l'érable à gigère qui est en train de fermenter, justement, elle va être disponible sur les lignes dans, dans quelques semaines. Donc, le, le côté érable, tu sais, c'est subtil, là. C'est juste pour dire, mais ça amène un petit côté rond, un petit côté sucré. Les, les plus fins dégustateurs pourront percevoir un petit côté boisé. Euh, donc, dans l'érable à gigère, je vous invite à venir y goûter dans, dans quelques semaines. Donc... Euh, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'ai commencé en vous disant, en faisant peur un peu avec les chiffres, là, 300 litres d'eau pour un litre de bière. Tu sais, finalement, quand on compare, on voit qu'on n'est pas, pas si mal, mais je ne voulais pas que vous partiez avec une mauvaise perception des brasseurs. Donc, je vais finir avec un, un petit exemple. Tu sais, pour nous, dans le fond, l'eau, c'est super important. Là. Comme vous avez vu, ça fait 25 minutes que je vous parle de ça. Euh, c'est une ressource qui est, qui, est, qui est primordiale pour faire de la bière. Donc, on veut prendre soin de notre eau. Il euh, y a tout plein de mesures qui sont prises par des microbrasseries partout, des brasseries à travers le monde pour diminuer la, la consommation d'eau, pour faire attention à l'eau. Mais je voulais juste en faire ressortir une donc euh, qui a été faite il y a deux ans. En fait, c'est le projet de la bière «Coule pas chez nous». Euh, C'était 26 microbrasseries qui ont brassé une bière, la même bière, la «Coule pas chez nous», partout à travers le Québec. Euh, C'était pour en fait euh, venir bloquer le projet de pipeline euh, NRJS de TransCanada. Euh, donc je veux pas je veux pas dire si je suis pour ou contre, mais l'idée c'était plus de dire ce pipeline-là traversait le territoire de plein de microbrasseries au Québec. S'il y avait eu un déversement, bien évidemment, la brasserie aurait été obligée d'arrêter de faire sa production. Donc euh, pénurie de bière, il y a personne qui veut de ça. C'est la pire chose qui peut arriver. Euh, donc c'est ça, il a vraiment voulu brasser une bière pour dire nous, on veut pas de ça parce qu'on veut garder une eau qui est belle, qui est claire. Euh, donc, le, le, ben, le, finalement, le projet de Pépin n'a pas eu lieu. Je ne sais pas si c'est à cause de la bière ou pas. Mais bref, euh, voilà. Donc, je trouvais ça le fun aussi, le petit slogan. Donc, euh, pas d'eau, pas de bière, pas de bière, pas de fun. Je pense que ça, ça résume bien un peu la vision qu'ont les brasseurs euh, de tout ça. Un euh, petit exemple, en Californie, il y a une brasserie qui a brassé une bière, la même bière avec une eau régulière, une eau qui vient de, des eaux grises, dans le fond. Là, donc, les résidus de douche, de toilette, tout ça. Euh, ils ont juste fait le test puis le monde font la face que vous faites en ce moment, hier, c'est le Mais c'est une technologie de la NASA qu'ils utilisent dans, dans l'espace pour traiter leur eau, puis ça fait une eau qui est bonne à boire le... c'était juste pour montrer que quand ils ont fait le test à l'aveugle, personne ne faisait la différence donc c'était juste pour, encore une fois, une brasserie qui a, qui a pris une action, qui a fait quelque chose justement pour montrer que l'eau c'est important pour nous euh, donc voilà, ça fait un peu le tour euh, à l'eau prochaine, je finis avec ça merci de, merci de vous être déplacés ce matin